Eh bien, idiot tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc oui, je vous ai laissé un petit peu le temps de l'attente pour voir ce qui arrivait derrière moi. Donc nous sommes sur la PTU de la 3.24. Donc en tout cas, j'espère que vous allez bien les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. On n'oublie surtout pas de s'abonner les amis, d'accord? Avant que la vidéo commence, ça serait important. Et par la même occasion, je remercie Arctic qui me prête son compte pour aller sur la PTU pour test cette version. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis posé dans mon jacuzzi. Ils sont posés dans leur jacuzzi. À savoir que j'ai fait quelques petits tests, forcément, parce que c'était assez compliqué de se remettre dans un nouveau truc qu'on connaît rien, parce que moi je savais qu'il y avait des choses qui arrivaient, mais je me suis pas non plus spoil des masses, d'accord les amis? Donc, bah, tout simplement, bah, voilà, on se trouve du coup dans un hangar qu'on connaît tous, hein, qui est maintenant, ça c'est un hangar personnel, personnalisé, enfin personnalisable. Un hangar qui est à nous. Là, je viens de voir d'ailleurs un truc très important, un truc qui me fait chier un peu parce que j'ai pris 5 minutes pour le faire, mais bon, c'est pas grave. Donc là, j'avais mis quelques trucs, mais apparemment, ça a dit pop en ouvrant et en fermant le hangar. Donc, assez décevant, hein. Après, c'est pas grave, on va peut-être retrouver. Voilà, là, je crois qu'il y en a un. Donc, je pense que je baisse, d'accord. Bon, donc là, c'est le fret élévateur, quoi. En fait, c'est là où on peut stocker nos trucs et les redéposer, quoi. Après, là, ça veut dire qu'il y a le stock, c'est 1000 SCU. Donc, c'est ça que je parlais. Et donc là, c'est par exemple, je veux. Là, c'est un siège. Donc, si je veux le remonter, je le glisse là. Après, est-ce que je peux mettre. Quelle catégorie? Bah, apparemment, non. Il me reste plus que celui-là. C'est un peu chiant, mais bon, c'est pas grave. Du coup, là, hop, on peut le rappeler, vu que du coup, on a ça. Et du coup, le canapé est ici. Donc, le canapé, je l'ai acheté dans un magasin qui, pour le moment, n'est qu'à Microtech, parce que je n'en ai pas trouvé ailleurs. J'ai fait Area 18 et Badging Point, j'ai rien trouvé d'autre. Donc pour moi le seul qu'il y a pour le moment c'est un Microtech. Donc on peut acheter des petits canapés, des petites chaises, des petites tables. Donc c'est pas encore non plus exceptionnel, mais il y a quand même quelques petits trucs qui viennent avec la personnalisation, c'est déjà ça. Sors des résidences. En plus regarde, Il n'y a les plus ton trucs. partage de NL, hein. Mais si, viens mon partage. Ça met que le stream est en pause. Voilà, c'est quand tu fais des retours Windows, ça fait crash le stream. Ah, tu penses? Pas envie de passer, disons, faire chier Discord, hein. Mais du coup. Je vais mettre juste du coup. Alors. Donc, il y a des sièges et des trucs de barbeur. Ouais, canapé, table. C'est tout? Y a pas d'armes. Attends, d'abord, j'achète. Je vais tout acheter. Ouais, parce que si, hein. Ça vaut rien. Bah, non. Regarde tout ce que ça. Le plus gros truc, c'est 9000 balles, donc. Après, c'est éclaté au sol, quoi. Je parle en termes de combien ça coûte, hein. Je parle pas de la fonctionnalité, hein. Par contre, vous pensez que c'est le shader qui m'avait fait bugger tout à l'heure? Parce que. Ouais, ça peut être les shaders, ça peut être aussi le perso qui était cassé. Hein. Ah, je pense que c'était personne, mais les shaders, ça va être chiant. Dans maintenant, ça va me le faire ça, là? Ouais, le temps que tu te balades.
Je hais ça, vraiment, les fraises de merde comme ça, là. C'est un motif de désinstallation. Hein. Je sais pas si je l'ai bien acheté, mais au pire, une petite dernière fois, on sait jamais. T-shirt. Helmet, c'est quoi? Ouais, c'est un helmet de base. Arme. Arme, c'est les bras plutôt. Torse. Leagues. Undersuit. Ouais, je crois que c'est tout, hein. Enfin. Enfin, il y a des boissons à Microtech. Oh, attends, il y a de l'alcool. Putain, enfin, il y a des boissons à Microtech, mec. Incroyable. Il y a de l'alcool, gros. Il y a de l'alcool. Il y a de l'alcool. Ah, ça, c'est de la light. C'est quoi, ça? Ouais, c'est pas grave, on prend aussi. C'est vraiment le seul truc qui manquait à Microtech. Wood. Ah. Attachment. Ah, nice. Du plaisir. Bon, de toute façon, on est au dernier, non. Et après, des trucs comme ça. Ok. Et eh ben, merci Kilto. Je viens de claquer un peu de thune chez toi. Mais du coup, en fait, c'est vraiment juste en sortant des résidences, parce que c'est ça qui est assez dingue. En vrai, tu t'as pas besoin d'aller bien loin pour faire ça, quoi. Donc, ça n'est un parmi tant d'autres. Et du coup, la petite chaise qui est ici aussi. Voilà. Qui est juste là. Donc celle que j'ai utilisée pour faire la petite intro stylée. Là du coup c'est votre storage pour les armures, les trucs dans le genre. Donc normalement, si je ne m'abuse, on a quelques trucs qui sont déjà. Ah non, on a Hearthstone. Donc du coup, il y aura pas. Enfin, je peux pas vous montrer, mais en gros, c'est à peu près ce qui vient de se passer, sauf que là, ça va vous ouvrir en gros un inventaire comme ça avec votre ce que vous avez commandé ici. Je voulais péter ma libellule. Bah attendez, peut-être que je peux essayer de déposer par un dépôt justement de Open Draw. Voilà. Donc là, admettons, j'ai posé mes bières là. Tac. Eh ben, ça les a move. Bah, ok. Même si je pense pas que ça se fait comme ça. Là, tac, on fait ça. Et là, du coup, c'est open. Parce que, de toute façon, apparemment, il n'y a pas le move. Et là, du coup, je peux les récupérer ici directement. Voilà. Et là, par exemple, transfert complet. Ok, ça marque. Donc, en fait, on peut fermer à partir de une fois que ça te marque ça. Donc voilà, moi les amis, vous savez ça. Ce que je vous propose pour la dernière partie de cette vidéo, c'est de vous qu'on aille tester tout simplement la frette. Donc on va essayer d'aller sur rappel, chercher quelques caisses, une petite centaine, hein, parce que de toute façon, comme vous avez pu le voir, c'est 100 CCU max. Et essayer de venir les ramener ici, pas en ville, mais au moins pour le ramener là, pour voir ce que ça fait un peu, et ce qu'on peut faire avec, ce qui est intéressant ou pas. D'accord les amis? Donc écoutez les amis, je me dirige sur rappel, et on se retrouve directement là-bas. Donc les amis, je vous récupère tout simplement parce que je viens d'arriver à rappel, donc à un endroit que l'on connaît tous assez bien, hein, c'est ce qui me permettait encore de faire pas mal d'argent jusqu'à ma dernière vidéo sur Star Citizen. Mais voilà, il y a une nouvelle plateforme qui est arrivée, donc un truc comme ça. Donc, de ce que j'ai compris, on achète et c'est là qu'on va venir mettre nos trucs, si j'ai bien compris. Donc on va essayer ça, hein, de toute façon, je suis là pour ça, pour vous faire montrer
pour vous faire voir comment ça se déroule. Et il me semble que tu peux sortir sans que 100%, donc d'une façon ou d'une autre, j'avais pas l'intention d'en prendre beaucoup plus. Hein. Le but, c'est vraiment juste de vous montrer ce que je fais. Est-ce que si je mets dans C1, par exemple, ils ont tout con? Non, on peut pas. Donc si je mets, par exemple, rappel. Voilà, et là, on choisit le nombre des CU qu'on veut. Donc là, apparemment, en 3... Ah, d'accord, si je prends... C'est 3 caisses de 32. Est-ce que ça loge dans le... Bah ouais, c'est 96 SCU max. Donc ça, oui. Donc attends, 16 SCU, ça veut dire que si je prends... 4... Une, ça passe. Et ça fait ça. D'accord, et en fait, on peut pas stocker plus de matériaux dans le rappel. Ok. Si par exemple je mets... Non, ok. Mmh. Ah, les commerçants, ils vont faire la gueule. Hein. Ouh, y a du... Désolé, là c'est... Clairement, ils vont tirer la tronche, les commerçants, parce que... Ils vont pas faire... masse bénéf, mais ils vont prendre énormément de risques. Bon, bah les amis, je reviens vers vous, mais je dois être victime d'un petit bug. Enfin, plus un petit bug, hein, ça fait plusieurs fois que j'essaye. Avant que je l'aille acheter, ça va, tout va bien. Mais une fois que je reviens ici, en fait, ça met un chargement infini. Et je comprends pas parce que, en fait, ça supprime les caisses que je viens d'acheter. Donc, je ne saurais pas vous dire c'est quoi le bug, d'une façon ou d'une autre. Vous voyez à peu près ce qu'il faut faire. Même si moi, vous inquiétez pas, une fois qu'elle sera sortie et stable, il y aura une présentation un peu de tous les nouveaux gameplays qui sont possibles et imaginables avec ça. Surtout pour le cargo, parce que bah là, ça touche surtout le cargo. Donc dès que ça sortira et ça sera stable, je vous ferai une vidéo plus en détail sur ce système. Au moins, vous avez vu les trois quarts, et même pas mal de choses concernant ce qui va sortir pendant la 3.24, pardon, ça me fait bizarre de le dire, mais c'est une réalité. Autrement, à part ça, autrement vous dire que on n'a pas plus de nouvelles de quand elle sortira. Je sais qu'elle était allée en vague 1, quand elle sortira, je sais pas, mais j'ai envie de dire, vaut pas trop être pressé. Et vaut mieux se donner du temps pour pas que ça bug. Comme actuellement. Juste faire un truc parce que j'ai pas essayé ça, mais je vais aller voir un petit truc là-bas parce que j'ai vu un timer tout à l'heure, 4 minutes 30. Je sais pas est-ce que c'est le temps qui crée la caisse ou pas. Donc avant de partir, parce que j'ai pas envie de vous laisser comme ça, si vraiment je vois pas de timer, je reviendrai vers vous. Là, déjà, il y a 156... Voilà, c'est ça que je comprends pas. Il y a 156 SCU. Alors, bougez pas. Bon, bah, les amis, je vous reprends après avoir attendu une dizaine de minutes. Pour pas grand-chose. Parce que j'attends non plus, comme par la même occasion. Mais du coup, j'ai été regarder... c'est par manque de temps que je pourrais pas, je pense, attendre plus longtemps parce que je vais claquer et en très peu de temps même, mais j'aimerais vous faire voir comme ça vous le saurez. En fait, il y a un timer, donc c'est pas en français, donc je comprends pas tout, je suis pas non plus très très bon en anglais, j'arrive à déchiffrer, on va dire. Si je mets rappel, là par exemple je mets SCU. Là, on voit que c'est 5 minutes 48 d'attente en S-loading time.
Donc pour moi, c'est l'attente. Je vois que ça, qui serait logique en soi, parce qu'ils avaient prévenu qu'il y aurait un timer pour attendre la cargaison. Donc, en tout cas, les amis, j'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo sur la trempe 24. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à vous abonner et à partager la chaîne YouTube, ça se fera extrêmement plaisir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo solide. Allez, tchuss les gens.